pour une nouvelle virée caradisiaque. On a fait beaucoup de kilomètres, hein. Plus de 500, on a quitté notre sud natal pour nous retrouver où? Au circuit Nevers-Manicourt, dans le cadre de la journée Pirelli P0 Experience. Pour nous amuser sur ce circuit F1, vous vous rappelez la F1 Nevers-Manicourt, ça a existé il y a longtemps, hein, dans la préhistoire. On a eu droit à une Lotus Evora, une petite voiture qui n'a jamais été essayée, hein. Alors on était bien entouré, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Mais nous n'avions pas beaucoup de chevaux sous le capot. On avait un châssis. La Lotus Evora, c'est quoi? C'est surtout 62 000 euros en fait. C'est une 2 plus 2. Un ami m'a dit 2 plus 2 nains. Elle n'est pas de moi. Mais c'est vrai qu'à l'arrière, on met pas à grand monde. On m'a dit les enfants de plus de 12 ans sont interdits. Je dirais même de plus de 6 ans, on ne peut pas les mettre. Découvert de la Lotus Evora et du circuit Nevers-Manicourt. Joli programme. Appuyez sur le Lotus, voilà, et là ça va partir. Ok, le Lotus, ah, le petit bouton jaune, Lotus, voilà. Ah ben voilà les gars, vous le savez, toujours vous aurez une Lotus, faut appuyer sur le petit bouton de la clé pour démarrer. L'épingle d'Adélaïde, la fameuse. Si vous vous rappelez les grands prix de F1 ici, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'en a pas eu. Donc, première impression, Lotus Evora, ça change. On a une M3 devant, donc c'est pour ça. Hein. Sans la maîtrise, la puissance n'est rien devant. C'était pas une pub Pirelli, ça? Ah, on est équipé de Pirelli. Alors, vous pouvez mettre les watts, les 280 chevaux, ils passent tous sur la route. Donc voilà, ma première Lotus en main, on est quand même bien accueilli, il y a du cuir. Tu as vu que le comportement, c'est un vrai comportement de voiture de course. C'est surtout un comportement qui est sans surprise, c'est-à-dire la voiture, au lever de pied, elle déhanche, à l'accélération, il n'y a pas de surprise, elle se cale sur ses appuis. 280 chevaux, ils passent tous hein, à la piste et ça fait qu'on arrive à tenir des voitures beaucoup, beaucoup plus puissantes. Et bon, ça en est fait quelques-unes, hein. Ouais. Et je suis pas un pilote. Hein. Bon, est-ce qu'il y a de la clim dans cette voiture? Oui. Bon, on l'a pas mise en route pour pas perdre des chevaux, voilà. Mais bon. Là, elle y est. Ah, ben voilà. Eh, c'est pas géant, ça. Après l'effort, le réconfort. Donc, pour récapituler, V6, 3,5 litres,
qui était autrefois dans un lointain passé dans une Toyota. On se demande bien qu'est-ce qu'il foutait là, parce que là il est très bien là où il est. Et donc on a 280 chevaux. Là au Mondial, Lotus présente une version un peu plus virile, l'Evora S qui a 350 chevaux. S'il vous plaît, appelez-moi, je veux bien l'essayer. De toute façon, c'est une auto, c'est pas une GT telle qu'on l'entend. Ça reste une Lotus, et une Lotus c'est quoi? C'est du feeling là-dedans, dans le volant. Du feeling là-dedans, dans le postérieur. Le reste, c'est de la poésie. Il y a un radar de recul? Oui. Oh là là, mais ça s'affiche. Une caméra. Là. Mais les gars qui ont des Exiges ou des Elises, ils savent même pas ça, hein, que ça existe. Voilà, tu peux y aller, tu peux y aller, c'est bon. Incroyable. Regarde. Comme dans un Seat Alhambra.